Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ça taxe pour moi la nation entre protectionnisme et libre-échange. Ah, ces mots en isme. Avec le protectionnisme, cette doctrine qui tente à restreindre, voire à prohiber les importations, et le libéralisme qui prône la liberté de commerce et pourquoi pas le nationalisme, car l'évolution de la perception de ces doctrines économiques a des échos politiques dont nous sommes les héritiers. Pour parvenir à ses fins, Napoléon a élaboré dans les années 1806-1807 une stratégie originale. C'est le blocus continental. Le mot protectionnisme est un tabou, un gros mot. Libéral, ça veut dire amoureux de la liberté. C'est tout un programme. La puissance de la nature. L'État opprime, mais c'est l'État qui nous aide. Bonjour Francis Démier. Bonjour Xavier Mauduit. Avant toute chose, aujourd'hui, selon nos conceptions de l'économie, le protectionnisme c'est mal, le libéralisme c'est bien. Il faut se départir de ces idées-là pour comprendre notre histoire sur au moins 2 siècles. Oui, j'ai essayé de montrer dans le livre que ce débat était un débat qui était assez largement ignoré finalement des Français, qui le confondent d'un côté avec le libéralisme égale l'Europe et le protectionnisme égale le nationalisme des années 20, des années 30. En fait, on est surpris de voir dans le 19e siècle la place occupée par le débat, par cette question, dans la vie parlementaire, dans la vie politique, dans la presse. C'est un des sujets fondamentaux. Avec la fiscalité, je crois que c'est peut-être l'élément qui trace en quelque sorte les contours du débat, à la fois doctrinal, parce que les économistes s'affrontent, et d'autre part, les grands intérêts. Ce que j'ai essayé de montrer, donc, c'est que de la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la guerre de 1914-1918, ce débat était fondateur, en fait, de la nation. La nation n'étant pas seulement un principe de spiritualité, mais une nation qui se construit progressivement, par étapes, sur des bases matérielles, sur ce qu'on appelle au XIXe siècle les intérêts. Les intérêts qui n'ont pas un sens négatif, mais qui, au contraire, contribuent en quelque sorte à établir un socle économique durable pour une nation. En même temps, j'ai essayé de montrer que, à travers ce débat, ce qui était en jeu, finalement, c'est la définition du libéralisme français. Un libéralisme très particulier, qui est très différent de celui des Anglais, que certains ont essayé d'appliquer en vain, du reste, mais dont la caractéristique, finalement, est de tracer, en quelque sorte, à travers les propositions de l'État, les plans de l'État, les contours d'une France qui constitue finalement un espace dans lequel on peut investir. Donc cette périphérie de la France du protectionnisme n'est pas une remise en question du libéralisme. Le libéralisme a prospéré à l'abri en quelque sorte des vents du grand large. Francis Démier, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Nanterre. L'ouvrage que vous évoquez, c'est « La nation frontière du libéralisme, libre-échangiste et protectionniste en français ». Ça se passe de 1786 à 1914. Vous nous l'avez dit, la nation ne se construit pas uniquement sur l'émotion, c'est ce que vous dites dès les premières pages de votre ouvrage, mais aussi sur des intérêts. Dès la fin de l'Ancien Régime, avez-vous dit, 1786, c'est le début de votre étude. Pourquoi cette date ? La date de 1786, c'est la date du traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Un traité que le 19e siècle va considérer ou va appeler le funeste traité. Autrement dit, une mémoire extrêmement négative qu'on essaie de repousser à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, parce que ce traité incarne, je dirais, assez directement le mode de pouvoir de l'Ancien Régime. Et d'une certaine façon aussi, ce traité est l'expression d'un échec. Il participe finalement de la crise de l'Ancien Régime à partir des années 85-86. La cause probablement de cet échec tient aux contradictions, aux tensions qui ont affecté les décisions. Il a été conçu au départ, ce traité de commerce entre la France et l'Angleterre, dans la tradition du XVIIIe siècle, comme un moyen de compléter un traité de paix. Donc, en règle générale, au XVIIIe siècle, on associe à un traité de paix une ouverture commerciale. C'est la première dimension de ce projet de libre-échange. La deuxième dimension est plus compliquée. Elle est menée en fait par les réformateurs de l'Ancien Régime qui entendent presser la cadence des réformes et qui sont convaincus finalement que la pression de l'économie anglaise sur les manufactures, sur l'économie française aura des effets positifs et permettra d'accélérer en quelque sorte la mutation. Ils se trompent parce qu'en fait, c'est un mécanisme qui va au contraire aggraver les tensions. Et puis, je crois aussi que l'échec qui tient à la division des esprits, des opinions, des doctrines politiques. C'est une époque partagée au niveau du pouvoir entre un héritage du mercantilisme, une physiocratie qui joue un rôle décisif. Les auteurs du traité, c'est Vergennes au départ, puis après sa mort en 87, Calonne, et le fameux Rayneval qui donnera son nom au traité, hein, Eden du côté anglais, Rayneval. Et donc on a chez les physiocrates la conviction que, un, la France n'est pas en retard par l'Angleterre, et que, deux, les évolutions à venir, finalement, donneraient un avantage à la France si la France est un pays agricole et que l'Angleterre, en quelque sorte, récupère les problèmes d'un pays manufacturier et industriel avec son prolétariat, etc. C'est donc un choix qui est assez compliqué, finalement, à établir. Et enfin, je crois que ce qui explique l'échec, c'est la différence et en même temps l'opposition entre une France, un État français dont les limites sont des frontières politiques et qu'au XVIIIe siècle, on essaie de replier en quelque sorte sur l'Hexagone et une économie française qui est une économie dispersée. À la fin du XVIIIe siècle, et encore ça va durer probablement jusqu'aux années 1840-50, la région du Nord commerce bien plus avec la Belgique qu'avec celle du centre. Le sud-ouest est très lié à l'Espagne. Bon, Marseille, très près du bassin céréalier de Toulouse, finalement, utilise les blés de la Méditerranée. Et un élément très important, c'est toute la partie orientale de la France, l'Alsace, la Lorraine, appartient à une espèce de Lotharingie qui, sur le cours du Rhin, finalement, est orientée vers l'extérieur. Donc nous avons finalement une structure de la France économique qui est à la fois étalée, dispersée et qui ne correspond pas à des structures nationales. C'est la raison de l'échec et je crois que ça va être l'enjeu toute la Révolution après de rétablir en quelque sorte une coïncidence, une similitude entre frontières politiques et frontières économiques en faisant rentrer l'activité, le travail surtout, parce que l'enjeu finalement c'est le travail. La dernière chose qu'on peut dire peut-être aussi sur ce traité, c'est qu'il a été critiqué, en tout cas la manœuvre a été critiquée dès le départ. Il existe au sein de ce qu'on appelle les bureaux, c'est-à-dire l'État, et ceci nous intéresse puisque c'est un peu le cadre général de l'émission, il existe des héritiers du colbertisme qui sont là pour souligner l'imprudence, l'absence aussi d'enquête qui a été faite auprès des chambres de commerce. Hein. Et donc, on a un exemple avec deux personnalités, Arnoux et Boytin, qui est directeur du commerce, et qui connaissent effectivement de façon très précise l'héritage économique de cet ancien régime, et qui soulignent en quelque sorte l'inconscience de l'imprudence finalement de la démarche française dans les négociations, qui se révéleront du reste assez négatives, et qui entraîneront, c'est un point très important, l'hostilité, la critique d'une bonne partie des manufactures, de coton en particulier, qui s'étaient engagées dans la voie industrielle pour essayer d'arracher le monopole des cotonnades à l'Angleterre. Pour eux, bien évidemment, l'ouverture du marché est une chose catastrophique et va entraîner effectivement du chômage. Les résultats du traité, globalement, sont difficiles à apprécier parce que nous sommes dans une crise économique. Et donc, il y a à la fois coïncidence entre les effets du traité et une crise économique qui est celle de la cherté de la fin de l'Ancien Régime. Oui, dans les années 1780, c'est sûr que la situation n'est pas formidable avec cette écho au libre-échange déjà sous l'Ancien Régime et surtout, on l'entend bien ici, une histoire de tension pour nous parler de protectionnisme et de libre-échange. Avec nous également aujourd'hui, Alain Beltran, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche émérite au CNRS, avec vraiment cette idée de tension, c'est pas si simple en fait. Ce n'est pas simplement de la part de l'État, des bureaux, comme le disait Francis Démier, de prendre une décision et de dire « Allez, maintenant c'est le libre-échange ou maintenant c'est le protectionnisme ». Il y a tellement d'enjeux et surtout de l'incertitude. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir constater les résultats d'un traité en 1786, mais les gens qui signent ça ne savent pas où ils vont. Alors, il est certain qu'il y a des tendances lourdes. D'abord, vous disiez... La question est tranchée, le protectionnisme ça n'est pas bien, le libéralisme c'est formidable. Si on fait un saut sur le temps présent, le débat n'est pas du tout tranché. Vous avez quand même tous des partis politiques et des partis de l'opinion publique qui pensent que l'avenir sera dans le protectionnisme, et un protectionnisme assez fort. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est cette obsession du modèle anglais. Le modèle anglais, même à la fin du 19e siècle, on ne regarde pas l'Allemagne, qui est notre ennemi fondamental, on regarde pas les États-Unis qui sont jamais que des Yankees, et donc on se base sur le modèle anglais. Et c'est là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est que entre la France et l'Angleterre, il y a des différences physiques, des différences de population, des différences de métier, d'occupation, qui sont très très grandes, et donc quelque part le raisonnement est biaisé. La dernière chose, vous parlez de l'État, donc ce mot État, aujourd'hui, en 2024, on voit à peu près ce qu'il est. En 1860, ça serait pas tout à fait la même idée. Et la notion, donc, elle varie. Et même le mot entreprise, on parle de manufacture. Quand on regarde le Littré, la manufacture, c'est la grande entreprise. On dit peu le mot entreprise, c'est un mot beaucoup plus générique. Donc voilà, donc il faut essayer de remettre les choses dans leur continuité, en effet, comme vous dites, avec énormément de variétés, énormément de différences, mais avec des tendances lourdes, comme par exemple cette référence à l'Angleterre sans cesse. Avec, c'est vrai, hein, vous avez raison de le souligner, mais tellement d'écart entre la France et la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, par la population, par les frontières. Et là, je prends ce mot qui est dans le titre de votre ouvrage, Francis Démier, « La nation frontière du libéralisme ». Ici, nous avons ce modèle anglais. Mais nous le savons bien, c'est l'ennemi, l'Angleterre ennemie héréditaire au XVIIIe siècle et puis au moment de la Révolution française. Que se passe-t-il au moment de la Révolution française? Est-ce que ces tentatives de libre-échange que vous avez évoquées sous l'Ancien Régime, ce traité de 1786, peut servir de modèle ou bien est-ce que c'est complètement rejeté? Ben, je voudrais d'abord rebondir sur les mots d'Alain Beltran sur le modèle anglais. Curieusement, pendant l'épisode révolutionnaire, on peut dire que la doctrine économique française se fait contre l'Angleterre, mais en même temps en avançant le modèle anglais. C'est-à-dire que la réponse à l'Angleterre, c'est de l'imiter. Et les hommes de la Restauration, effectivement, réfléchissant sur l'itinéraire de la Révolution et de l'Empire, auront cette idée, hein. Plusieurs économistes, par exemple, disent que... tout grand administrateur, technocrate, doit avoir effectivement une bibliothèque remplie de livres anglais. Simplement, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a plusieurs interprétations finalement de l'Angleterre. Il y a une interprétation qui est celle de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire on tire de l'Angleterre la leçon des économistes. Et donc, l'importation en France des thèses, des idées de Adam Smith. Et puis, il y a toute une technocratie industrialiste, bon, Chaptal en est en quelque sorte un exemple, un prototype, qui consiste à dire que ce n'est pas les économistes anglais qu'il faut imiter, mais c'est la politique économique de l'Angleterre. Et donc, ces économistes de l'époque impériale, surtout, sont très attentifs aux fameux actes de navigation anglais, qui a en quelque sorte bouclé le système commercial et maritime dans les mains de l'Angleterre, de l'État anglais. Et puis aussi, ça se rapporte également au thème de l'émission, les économistes sont attentifs au rôle joué par le Board of Trade, le Bureau du commerce, qui est une institution originale en Angleterre, qui pilote en quelque sorte, en articulant les conseils des économistes, mais aussi les décisions politiques, les grands choix économiques. Et en liaison, du reste, avec les chambres de commerce. Et on accuse effectivement l'ancien régime en France de n'avoir pas été en liaison avec les chambres de commerce pour dessiner un axe politique, un axe de politique économique. Donc là, je crois que c'est un élément intéressant qui consiste à voir que l'Angleterre a été protectionniste. Et la puissance anglaise, aussi bien en navigation que du point de vue manufacturier, est protectionniste. Il faut songer qu'au moment, effectivement, où on débat du traité de libre-échange, les soies françaises, un élément essentiel pour les exportations, hein, qui rapportent beaucoup, sont interdits, sont prohibés en Angleterre. Donc on a effectivement une Angleterre qui ne va devenir libre-échangiste que très progressivement, hein, avec les réformes de Huskisson, qui du reste sera un modèle pour les technocrates français de la Restauration. Et finalement, c'est en 46 et 49 que l'Angleterre sera véritablement libre-échangiste. Donc le gros effort finalement des technocrates français, c'est de se libérer de l'empreinte des économistes de l'école de Jean-Baptiste Say, qui disent « ouvrons les frontières ». Dans l'échange, effectivement, la croissance sera importante. Les technocrates français disent « attention, ça n'est pas le cas ». Et toute l'expérience de la Révolution nous montre le contraire, finalement. Quant au cours de la Révolution, je crois que c'est effectivement une période qui voit se construire une nation économique, ce que j'ai appelé, moi, une économie-nation. On peut dire que le point d'arrivée, c'est la chute de Napoléon. Mais il y a eu plusieurs étapes. Si on prend la Constituante, elle reste dominée par les physiocrates. Hein. Finalement, les physiocrates, ce sont ceux qui étaient déjà présents au XVIIIe siècle à réfléchir absolument à l'économie, qui mettaient en avant l'aspect agricole un peu du pays. Absolument, et c'est des défenseurs de ce qu'on appelle les grandes fermes, donc de la rente foncière, et qui sont convaincus effectivement que la véritable richesse se trouve dans la rente du sol. Et donc, c'est cette aristocratie foncière qui est un élément décisif qu'il faut protéger. La politique des physiocrates est libre-échangiste, surtout parce que leur préoccupation, c'est de libérer les exportations. Leur grande crainte, c'est la limite des exportations en période de disette. Et c'est la raison pour laquelle la crise de l'Ancien Régime, qui est une crise frumentaire, anime bien évidemment ou réanime le débat sur les exportations possibles de grains. Mais ces physiocrates ont la vie dure, hein. On en rencontre encore beaucoup sous l'Empire, hein. Germain Garnier, le traducteur de Adam Smith, de La richesse des nations, est un physiocrate. On en rencontre encore des néo-physiocrates sous la monarchie de Juillet. Mais en tout cas, je crois que si on cherche un tournant, il y a deux, trois tournants qui sont importants à souligner. C'est le tournant des Girondins. Ces Girondins sont en règle générale dans les manuels assimilés à des défenseurs de la politique commerciale des ports et des nostalgiques du XVIIIe siècle. C'est pas le cas, hein. Des gens comme Clavière, Kersin, etc. Vont définir pour la première fois, et face à l'héritage de l'Ancien Régime, un trajet économique qui consiste à séparer le libéralisme intérieur, à l'échelle de la nation, défini par la Révolution française et ses valeurs, et d'autre part, le marché extérieur. Donc la plus grande protection à l'intérieur et la plus grande protection face au libre-échange et face au marché extérieur, et par contre la plus grande liberté à l'intérieur. C'est une vision bourgeoise qui s'oppose à la vision aristocratique, effectivement, de la politique des échanges à ce moment-là. Et je crois ce qui est caractéristique aussi de cette vision justement des Girondins, c'est une bourgeoisie aussi manufacturière qui pour la première fois a une idée de la France comme un ensemble complémentaire dans lequel effectivement l'agriculture doit être le débouché des manufactures et l'ensemble effectivement lié au commerce, de façon à tracer des complémentarités qui, d'une certaine façon, disent que la France peut se suffire à elle-même. Hein, c'est l'enjeu. L'autre tournant qui est intéressant aussi, c'est le Directoire, où dans une période de crise très profonde, toutes les composantes sociales de l'économie sont en grande difficulté. Le gouvernement, Jeanne de Le Croix en particulier, qui est ministre des Affaires étrangères, et puis terre et main qui est son conseiller vont définir alors une autre direction aux échanges français qui est l'Europe. Et en particulier l'Europe conquise, c'est-à-dire la Belgique, l'Italie, etc. et qui associe désormais le marché français plus seulement au contour de la nation acquise à l'origine, mais à un espace qui consisterait à imaginer ce qu'on appelle à cette époque-là une Angleterre continentale, c'est-à-dire un vaste marché, effectivement, dans lequel la France serait dominante et pourrait, en quelque sorte, orienter les échanges, ce qui, du reste, d'une certaine façon, correspond aux annexions. Le problème, c'est que ceci associe la politique commerciale et la politique des échanges aux conquêtes et donc à la guerre. Et c'est la raison pour laquelle on entre dans une série de contradictions qui vont éclater sous l'Empire, un empire dans lequel Napoléon sera toujours partagé entre un souvenir de la richesse du XVIIIe siècle, qui est celle des îles, hein, les Beauharnais, effectivement, vont dans ce sens, et d'autre part, l'enjeu d'une France manufacturière, la pression de Chaptal. D'un côté, donc, Cambacérès et Lebrun, la France atlantique, de l'autre côté, Chaptal, l'industrialisation à partir du textile. Avec Napoléon qui instaure le blocus continental. Le blocus continental. Pour parvenir à ses fins, Napoléon a élaboré dans les années 1806-1807 une stratégie originale. C'est le blocus continental. Original sans doute plus dans sa rigueur et dans sa généralisation que dans son principe même qui n'était pas entièrement nouveau. Le débat reste ouvert sur la validité du calcul napoléonien, qui était de provoquer l'effondrement industriel et monétaire de son adversaire, de l'affamer le cas échéant, et de susciter par suite des tensions si graves dans la société anglaise qu'elles imposeraient au gouvernement de Londres la capitulation. Pour réussir, l'empereur aurait dû être en mesure de faire appliquer exactement le blocus. Le blocus continental a eu pour contrepartie un blocus maritime britannique, le libre déploiement du commerce britannique à la surface des océans. Sur le continent, l'envers du blocus, ça a été l'organisation d'un immense circuit de commerce illicite, de contrebande. Sur France Culture en 1969, tiens, c'est les 200 ans de la naissance de Napoléon, s'exprimait l'historien Louis Bergeron à propos du blocus continental. Alain Beltran, c'est une histoire de paradoxe. On n'en finit plus de ces paradoxes. Si on prend le cas du blocus continental, Napoléon ferme tous les ports d'Europe. Bon, bah là, on peut dire que c'est du protectionnisme, mais à l'intérieur, bah, c'est le libéralisme. C'est un jeu, en fait, d'équilibre sans cesse. Francis Démier nous a rappelé que le Royaume-Uni est un pays politiquement libéral, mais qui peut faire du protectionnisme. Tout ça, c'est histoire d'équilibre. Bah, je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important, c'est que la France du 19e siècle, mais peut-être en allant un petit peu plus loin, recherche un équilibre. Elle recherche un équilibre entre toutes ces théories, elle recherche un équilibre entre ses grandes fonctions. C'est une nation rurale, mais c'est une nation aussi manufacturière. Elle n'est pas si loin de cela que de la Grande-Bretagne pour la première révolution industrielle. Et donc, c'est une nation qui cherche l'équilibre parce qu'aussi c'est une nation qui a été divisée, qui a connu une révolution qui était extrêmement sanglante. Et elle s'est trouvée pendant 20 ans en guerre avec toute l'Europe. Donc, cette recherche, non pas d'un consensus, mais d'un équilibre, va se trouver finalement dans les politiques douanières, dans les politiques industrielles, et jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, parfois, en effet, comme dit l'autre, l'équilibre, c'est instable. Donc, c'est ce que vous appelez des paradoxes. Mais c'est cette recherche de ce qui est bon pour la France à l'intérieur de ses frontières, avec ce que vient de souligner Francis Démier, des frontières qui, pour le 19e siècle, ont quand même beaucoup bougé. Au début, on est dans la France des 130 départements, on revient aux frontières de 1792, la France acquiert sans doute la Savoie et Nice, mais perd ensuite l'Alsace et la Lorraine. Donc c'est aussi cette notion de frontière qui est une frontière mouvante et une frontière brisée, une frontière qui souffre. Ce rappel sans cesse des Vosges est aussi quelque chose d'important. Donc voilà, ce que vous appelez paradoxe, je dirais, c'est la recherche d'un équilibre entre les grandes fonctions et entre les grandes activités du pays. avec des intérêts contradictoires, hein, Francis Démier, parce que là aussi, il y a les intérêts des propriétaires fonciers qui mettent en valeur les terres et qui produisent plein de céréales, c'est formidable, et à côté de ça, il y a des manufactures, et parfois, la même personne est investie dans les deux. Alors lui, il préfère un peu le protectionnisme et le libre-échange en même temps, équilibre difficile. Alors... à propos justement de ce blocus continental, je pense que Louis Bergeron a tout à fait raison, mais ce qu'on peut souligner, c'est que c'est l'époque aussi où apparaît l'idée d'une Europe économique. Et en particulier, je pense à un diplomate. Entre parenthèses, les diplomates ont beaucoup d'importance dans la définition 19e siècle de la politique commerciale. Très souvent, on trouve des diplomates parce que c'est eux qui ont une expérience en quelque sorte de l'étranger. Mais en tout cas, Coquebert de Montbray, qui est un diplomate, pendant la période impériale, va publier plusieurs écrits sur l'idée de rassembler finalement les éléments du blocus dans un marché unique. C'est en quelque sorte une anticipation de ce que sera le marché commun. Et ce qu'on peut constater, c'est que Napoléon n'a pas joué dans cette direction. Parce que on a conservé des droits de douane à l'entrée en France des produits des pays occupés. Et d'autre part, vous savez qu'il y a un système de licence qui permet d'importer des matières premières. Le régime des licences n'a jamais été accordé aux pays occupés. Donc, à l'intérieur de ce blocus continental, on a aussi des visions divergentes entre l'idée qu'on pourrait faire, effectivement, cette fameuse Angleterre continentale, cette Europe à venir, mais dans la mesure où il faut nourrir la guerre, une fiscalité importante, on va casser, effectivement, cette perspective par la pression fiscale. Ouais, parce que c'est vraiment tous ces enjeux différents, tout simplement, et c'est pour ça que Francis Démier, La nation frontière du libéralisme, est très pertinent, c'est que ça se rapporte au concret, aux intérêts des individus, et on voit bien... par exemple, à travers les débats parlementaires, qu'il y a tous ces intérêts. Les gens sont favorables au libre-échange ou au protectionnisme, mais selon leurs intérêts, en disant « c'est le mieux pour la France ou non ». Et c'est difficile à trouver, hein. Oui, le problème est posé surtout de façon nouvelle par la Restauration. Parce que sous la Restauration, on a effectivement la formation d'une technocratie qui, dès avril 1814, la première chute, effectivement, de l'empereur est présente. J'ai appelé ça, moi, les équipes de Talleyrand, qui vont arriver. Ce sont des hommes, effectivement, comme Louis Becquet, qui va jouer un rôle très important pendant la période, qui est directeur, effectivement, du bureau du commerce, Louis Becquet. Tous ces gens-là sont confrontés désormais à une structure de décision qui implique de trouver une majorité. Et le problème de la Restauration, que j'ai essayé effectivement d'isoler, c'est cette contradiction qu'il y a entre un État qui a été renforcé par l'héritage napoléonien, mais qui fait référence aussi à l'État de l'Ancien Régime, et désormais la nécessité, non pas d'un régime parlementaire, exactement, mais au moins sur le plan fiscal, sur le plan douanier, le besoin d'obtenir une majorité. Les technocrates, bizarrement, sont les libéraux. Hein ? Les équipes de Talleyrand, finalement, ont défini un programme qui était un peu celui des Girondins après la chute de Napoléon, qui consistait à dire, c'est la phrase de Louis Becquet, du reste, la plus grande liberté à l'intérieur et la protection à l'intérieur. C'est la clé de la régénération. Mais le destin de la Restauration a tourné parce que ce programme libéral, qui était surtout attentif à deux choses. D'abord, les matières premières, le prix des matières premières. Donc, il faut laisser rentrer les matières premières et protéger la main-d'œuvre, ou en tout cas faire attention au secteur manufacturier, dans la mesure où ce qui est important pour ces hommes de la Restauration, c'est l'emploi. Hein ? L'emploi est la clé de la stabilité. Et on oppose effectivement un protectionnisme qui est justifié, même pour des libéraux, dans la mesure où il crée du travail. Et s'oppose à un ancien régime qui avait imposé de façon autoritaire le libre-échange, et un ancien régime qui était un régime de sous-emploi. Donc un élément très important, c'est donner du travail à tous les bras. C'est la grande phrase de Chaptal. C'est ça, hein, ce sont ces gens qui pensent l'économie, mais qui pensent l'économie aussi pour la population. On est persuadé assez largement dans le 19e siècle, et ça va jusqu'à Méline, que la politique douanière est la meilleure des politiques sociales. Eh ben elle préserve l'emploi. Et puis, cela définit aussi ce qu'est la nation. Vous avez cité Louis Becquet, il est avec nous dans le cours de l'histoire. Le moment est venu où le commerce intérieur verra exaucer les vœux qu'il pourra former, dans l'intérêt, bien entendu, de tous, et où, grâce à l'intervention d'un gouvernement plein de bienveillance, nos expéditions obtiendront chez les autres nations des facilités dont elles sont depuis longtemps privées. Liberté au-dedans, protection au-dehors. Tels sont les principes qui seront appliqués au commerce. Tels sont les éléments de sa régénération. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Lara Brull qui lisait cette circulaire de Louis Becquet le 6 juin 1814, une circulaire adressée aux membres des chambres de commerce. Alain Beltran, on a ici un programme liberté au-dedans, protection au-dehors, qui dépasse les régimes politiques. C'est en cela aussi qu'étudier l'économie, c'est intéressant parce que le 19e siècle, ou en tout cas depuis la fin du 19e siècle, notre histoire est découpée en petites tranches de régimes politiques. Mais avec l'économie, ça ne se conçoit pas comme ça. Alors non seulement l'économie, mais dans le livre de Francis Démier, on voit bien que l'économique, le social, le politique et le spatial sont très étroitement mêlés. Ce qui, évidemment, est assez compliqué. Mais vous parlez de ces persistances. Je souriais en entendant Francis Démier employer systématiquement le mot « technocrate ». Voilà un mot qui va bondir jusque, au moins, au XXe siècle, avec des sens différents. Il y a un moment où le technocrate, c'est l'ingénieur, c'est la personne qui sait, qui a un projet, industriel, mais aussi politique. Je pense à des gens comme Ernest Mercier dans l'entre-deux-guerres. Et puis ensuite, le terme, le technocrate, c'est le technicien qu'on n'aime pas. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est celui qui met la technique avant la politique et peut se tromper. Ou en tout cas, la technique avant la politique, le social. Donc c'est vrai qu'on est sur du très long terme. Tout ça, il y a mais avec aussi des transformations. Ces technocrates, on pourrait peut-être dire les Saint-Simoniens à un moment, jusqu'aux spécialistes. Et dans l'entre-deux-guerres, enfin, dans les années 1920 et 1930, il y a un essor de la technocratie, et en particulier à l'époque de la crise. Oui, parce que ce n'était pas une histoire simple. Et tant mieux, hein, c'est ça, la complexité qui permet de comprendre le monde. Ah, si c'était simple, il n'y aurait pas grand-chose à faire et pas grand-chose à comprendre. Mais ici, tout se mêle. Et c'est ça qui est formidable. Se mêle la réflexion sur l'économie, la réflexion sur le politique et sur ce qu'est la nation. Francis Démier, c'est ça aussi, cette force de regarder la construction de la nation par la pensée économique. Parce qu'on voit le territoire se constituer ici, nettement. Oui, le territoire, c'est la France de 1792, qui va rester en quelque sorte la base de la réflexion économique pour tout le 19e siècle. Et est attaché à cette France de 92 à la fois les valeurs de la Révolution française, les valeurs libérales de la Révolution française, et en particulier l'idée qu'on doit écarter de cette France économique les monopoles, les privilèges. Autrement dit, c'est un espace qui se définit par le fait d'écarter la réapparition des prohibitions, de tout ce qui a caractérisé en quelque sorte une économie aristocratique. C'est bien sûr une base ou un socle bourgeois. La liberté, le libéralisme est le libéralisme de l'économie bourgeoise. Mais il a une forte connotation anti-aristocratique. Et dans tout le 19e siècle, et jusque y compris au Second Empire, et Louis-Napoléon est l'héritier finalement aussi de ces références, c'est la suppression des prohibitions. Hein. La grande rupture du traité de 1860, le fameux traité de libre-échange de Napoléon III, c'est la fin historique des prohibitions, c'est-à-dire des interdictions d'entrée, qui ont un parfum d'ancien régime. Et donc on entre à ce moment-là dans un système de négociation avec le reste de l'Europe qui a profondément changé. Alain Beltran. Oui, ce territoire, il faut aussi l'unifier, parce que Francis Démier rappelait qu'en effet, il y avait des effets de proximité qui font que le nord de la France ne regardait pas évidemment vers le sud. Et l'unification de ce territoire, ça se fait par des infrastructures et la principale, c'est le chemin de fer. Et le chemin de fer, en gros, c'est pris de plus en plus en main par l'État. Et là, on retrouve cette notion de l'État, le territoire, l'unification. Il y a deux endroits où l'État est assez fort, il est très critiqué, c'est le chemin de fer et les postes, télégraphes et téléphones à la fin du siècle, les PTT pour les plus anciens qui se rappellent de ce cycle. Mais ça, ce sont des formes d'unification et comme par hasard, c'est l'État qui prend cela en main et très tôt. La loi sur l'expropriation pour utilité publique date de 1841, 1842. C'est ce qu'on appelle l'étoile Legrand, c'est ce que nous connaissons, c'est Paris-Strasbourg, Paris-Lille, le PLM, etc. Et Paris-Lyon-Marseille. Oui, donc on retrouvera ensuite pour les routes nationales, pour les autoroutes et pour les TGV. Bon, ben, l'étoile Legrand, c'est 1842. Là, on est avec des polytechniciens qui sortent de différents corps, mais en général, c'est les mines ou les ponts, qu'on retrouvera à la fin du siècle avec Freycinet, par exemple. Mais c'était cette volonté d'unifier le territoire qui a un but économique, bien entendu. Les melons de Cavaillon, ils pourront arriver plus rapidement à Paris. Mais qui a aussi un but politique, et c'est l'un des moyens d'unification avec le service militaire, avec l'école et autres. Mais je pense que c'est important. Oui, c'est très important, cette unification de la nation. Et puis, les gens, concrètement, voient ce qu'est la nation. Mais pas que les gens qui commercent. Parce que dès qu'il y a une frontière avec une taxe, on se dit, ah bah oui, là, on entre dans un pays. Même les prohibitions, vous l'avez dit, Francis Démier, jusqu'en 1860. Alors... ce problème de l'unification économique du territoire est quelque chose qui a hanté les économistes et qui a alimenté beaucoup de débats dans le 19e siècle. En particulier sous la monarchie de Juillet, à l'époque de l'orléanisme. Parce que on a à cette époque effectivement... une croissance beaucoup plus forte, beaucoup plus lourde en capital, l'industrialisation du Nord et le retard du Midi. Et nous avons un Nord protectionniste, c'est le Nord de la mine, mais c'est aussi le Nord des manufactures de coton et de laine. Et nous avons un Sud qui est dominé finalement par l'idée libre-échangiste, c'est les ports, c'est Bordeaux en particulier, c'est Marseille, et puis aussi d'une autre façon, c'est une économie beaucoup plus traditionnelle. Et cette cassure entre les deux France est étudiée, remarquée, déplorée par beaucoup d'économistes, Charles Dupin, Adolphe Blanqui, le frère d'Auguste le Révolutionnaire, etc., insistent en permanence sur la nécessité, justement, d'éviter cette cassure des deux France, hein, qui serait alors un retour à une forme, effectivement, archaïque de l'économie. Ils sont attentifs aussi au fait qu'à l'intérieur de cette France du 19e siècle, se créent des régions économiques presque autonomes. Je pense en particulier à tout le débat qui a eu lieu sur le monopole de Saint-Étienne, les houilles de Saint-Étienne, le charbon, la métallurgie, et également la possibilité pour les houilles de Saint-Étienne de fixer des prix très élevés, parce que tout simplement, l'absence de transport évite au charbon anglais, au charbon de Mons, de Belgique, d'arriver au centre de la France. Et donc, il y a une nécessité, effectivement, Alain Beltran le soulignait, de réaliser un système de communication. C'est un des aspects aussi qu'on envie à l'Angleterre, qu'on admire beaucoup, son système de canaux, et après la multiplication des chemins de fer. Mais la géographie française, bien évidemment, est différente, et le système de Bécaye, du reste, qui sera justement mis en avant dès la Restauration, sera en retard. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y avait nécessité effectivement de développer les chemins de fer, mais la France a été lente, hein, et elle s'est heurtée, contradiction du système, au prix du fer. Il y a un grand débat effectivement qui a lieu en 1842 sur le problème de l'importation des rails de chemin de fer anglais. Les États-Unis importent beaucoup de rails anglais, en franchise. En France, l'importation, enfin, les droits ne seront jamais abaissés. C'est ce qui fait que finalement, les métallurgistes français, qui sont assez quand même en retard sur la métallurgie anglaise, conserveront le monopole d'approvisionnement des chemins de fer, ce qui ralentira au niveau des coûts la mise en place effectivement d'un cadre national à l'économie. Avec ici ces changements politiques majeurs bien sûr, qui ne correspondent pas toujours à des changements d'économie. On l'a bien compris, ce que vous avez évoqué, Francis Démier, Louis Becquet, qui évoque la nécessité d'une liberté en dedans. Mais ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de population en France, donc le marché est grand et la protection en dehors, c'est quelque chose que l'on retrouve sans cesse. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut dire que le 19e siècle est un siècle protectionniste pour la France jusqu'en 1860, le Second Empire, quand il y a ce traité de libre-échange avec le Royaume-Uni. Est-ce que c'est si simple que ça ? Si on regarde un petit peu à l'extérieur, ce n'est pas si simple. On rappelait que l'Angleterre a changé de politique. Vous prenez un pays comme les États-Unis, de la guerre de sécession jusqu'aux années 1930, ils sont extrêmement protectionnistes. L'Allemagne, en 1902, à un tarif très protectionniste aussi. Donc, on dirait peut-être, alors après c'est une question où on met le curseur, qu'il y a beaucoup de bouffées protectionnistes, mais qui ne vont pas jusque à ce qu'on a pu connaître plus tard, qui s'appelle l'autarcie. Tout le monde a compris que l'autarcie, ça n'était pas bon. Donc il y a... par exemple, vous faites allusion au tarif Méline. Méline, ça passe en général dans les dissertations comme l'archétype de la personne qui voit petit, qui veut protéger et autres. Et en fait, quand on regarde les tarifs Méline, ça protège finalement le coton, par exemple, les entreprises qui pourraient être menacées, mais ça ne protège pas. Au contraire, il y a eu un grand libéralisme, les industriels qui auraient besoin de produits industriels pour se développer. Donc là aussi, il y a, je veux dire, à nuancer et à ne pas garder des images de caricature, le XXe siècle regardant avec un peu de suffisance le XIXe. Jules Méline. Et maintenant, messieurs, face à nos résultats, je demande à tous les hommes de bonne foi ce qui serait arrivé, où en serait la richesse de la France, si nous nous étions renfermés dans une superbe indifférence. Ces lois de salut auraient dû trouver grâce devant nos adversaires, car sans elles, nous serions non seulement en face d'une crise économique, mais encore en face d'une véritable crise sociale. Ce n'est pas ainsi qu'on l'entend dans le camp des libre-échangistes, et il paraît au contraire que c'est nous qui avons déchaîné le socialisme en France. Les libre-échangistes affectent de dire que les tarifs de douane n'ont été faits que pour les industriels et non pour les ouvriers. Comme si cela faisait deux choses distinctes qu'on puisse séparer. Pourquoi l'État règle-t-il les tarifs de douane? C'est parce qu'il est seul, capable de traiter avec l'étranger. L'État a charge d'âme. Il est notre mandataire à tous, aussi bien des ouvriers que des patrons. Discours de Jules Méline, lu par Lara Brulle, discours prononcé en mai 1893. C'est un moment très particulier. Méline est députée, mais là, nous avons évoqué ce cas très fort. Symboliquement, le traité de libre-échange franco-anglais de 1860, ça y est, c'est le libre-échange. En fait, non, il y a toujours le protectionnisme et ce moment Méline, Francis Démier, il faut nous l'expliquer. Pourquoi ? Dans ces années 1890, il y a tant de regards sur le protectionnisme et peut-être la peur aussi d'un libre-échange. Deux remarques tout d'abord. La première, c'est sur la nature du système douanier français qui est partagé entre un secteur protégé par des droits de douane et des prohibitions. On a encore effectivement, sous la Seconde République, 58 prohibitions, interdictions d'entrée. Ce qui fait que très souvent, on mesure la protection au niveau justement du pourcentage des droits de douane par rapport au prix des produits. Pour la France, il faut faire attention. En fait, la France est un pays, si on prend comme critère les droits de douane, qui est relativement accessible. Hein. Même au début de la monarchie de Juillet, les taux de protection des droits de douane sont autour de 10, 15, 20%. Par contre, les produits clés, les cotonnades, différents produits très importants sont inaccessibles parce que protégés. En revanche, c'est un système quand même assez différencié parce que le charbon rentre avec beaucoup de facilité. Hein, la grande idée finalement de ces libéraux protectionnistes et industrialistes, c'est de dire les matières premières doivent entrer facilement. Les matières premières sont les aliments de l'industrie. Donc on ne va pas les taxer, parce qu'ils alimentent la croissance. Et donc c'est un système quand même qui a des ouvertures en fonction effectivement d'un projet industrialiste. Et donc, je le disais, la grande rupture quand même, c'est celle du coup d'État de 1860, qui... Coup d'État douanier. Le coup d'État douanier de 1860, pardon, dont on dit en règle générale effectivement qu'il a abaissé, supprimé les prohibitions, élément décisif, et abaissé les droits de douane à 30%. En fait, on oublie justement qu'on est allé beaucoup plus loin. Et quand on regarde effectivement la protection douanière à la fin du Second Empire, c'est une protection qui varie autour de 5-6% pour des produits clés comme les cotonnades ou les lainages. Hein. Donc, le coup d'État a bien un sens, c'est-à-dire que ce coup d'État a fait voler en éclats une structure à la fois économique et parlementaire qui tenait en main les intérêts sur la base d'alliances effectivement à la Chambre des députés et qui est balayée effectivement par une action autoritaire qui impose. Et du reste, le patronat, bien évidemment, va réagir. Mais Louis-Napoléon Bonaparte, enfin l'empereur à cette époque-là, sera tout à fait étanche aux pressions du patronat. Ce que je voulais souligner, avant d'aborder Méline, c'est que cette politique libre-échangiste, qui est réelle et qui est importante, a permis de restructurer toute l'économie française et de faire apparaître effectivement une nouvelle direction économique. La direction économique était tenue par le textile jusqu'à la Seconde République. À partir du traité de libre-échange, on voit monter dans les négociations et dans la pression effectivement sur le gouvernement les métallurgistes, et les charbonnages, et aussi l'industrie des machines. On voit monter aussi, ce qui est intéressant, c'est des forces géographiques nouvelles, par exemple Paris, qui devient effectivement un pôle économique autour duquel tout va se réorganiser, aidé par le système ferroviaire. Donc on a une véritable coupure qui s'organise à partir justement de cette liquidation des structures d'anciens types, le premier capitalisme, qui est celui de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, à dominante, effectivement, textile. Mais ce qui est remarquable, c'est que le coup d'État a fait naître finalement un nouveau pôle économique suffisamment puissant pour s'imposer jusqu'au début des années 80. Et en dépit de la crise économique qui, certes, n'a pas l'ampleur de la crise allemande et anglaise, mais qui est quand même importante. Et donc, nous avons aussi bien l'échec de Thiers, qui a tenté de revenir justement au protectionnisme de la monarchie de Juillet. Échec total, il a été coincé par les traités de commerce, qui interdisaient, en fin de compte, d'aller plus loin sur le retour à la protection. Il a été, ce libéralisme, maintenu pendant la République des Ducs, qui est dans les mains du centre-gauche. Hein. Léon Say, ministre des Finances, et Léon Say, c'est un libéral, hein, bon, bien évidemment. Et ce qui est important, c'est que la République des opportunistes est l'héritière, finalement, du traité de libre-échange. Aussi bien Ferry, qui est un grand admirateur, finalement, de Stuart Mill et de l'économie politique anglaise, que Gambetta, sont des libéraux et vont jusqu'au bout soutenir effectivement une option d'ouverture du marché français parce qu'ils craignent effectivement la reconstitution toujours des monopoles. Avec Méline, effectivement, s'ouvre une autre période qui est une autre phase de la crise. Alain Beltran, mais oui, pourquoi cette nécessité pour certains de revenir à une forme de protectionnisme? C'est le cas avec Méline. C'est le contexte économique. Francis Démier évoquait une crise. Il y a une crise économique qui dure longtemps, qu'on fait démarrer en général en 1873. Donc on est sur un contexte qui est difficile. Vous avez aussi une France qui diplomatiquement est relativement isolée. On ne s'est pas encore rapproché de la Russie, il n'y a pas encore l'entente cordiale, et en face il y a une triplice qui est extrêmement puissante. Et vous avez ce sentiment, et là aussi pour faire sur le temps long, la France a eu très souvent dans son histoire, depuis 2 siècles, l'impression d'être en retard, d'être en retard et que ça lui est fatal. Et le souvenir de la défaite de 70, c'est non seulement une défaite militaire, mais c'est une défaite industrielle. Un Sedan industriel, comme on avait dit lors d'une des expositions universelles. Donc il y a tout cela qui joue. Mais je voudrais juste revenir un instant sur l'extrait que vous avez passé. On dit « l'État à charge d'âme ». Je veux dire, c'est quand même une phrase extraordinairement forte. Alors ça rappelle bien sûr ce qu'on pouvait faire au XVIIIe siècle et même avant, qui était un petit peu de la charité. Mais là, on est la charge d'âme, ça veut dire que l'État doit aussi intervenir dans le domaine économique quand l'emploi, quand le bonheur, quand la sécurité des gens sont en jeu. Et vous avez, il n'y a pas que Méline. À la même époque, vous avez une loi sur les accidents du travail, qui est une loi qui... Il n'y a plus besoin de dire qu'il y a une faute. Vous avez la loi sur les faillites, etc. Bon, je passe sur toutes les lois républicaines des années 80-85. Vous avez donc tout ce contexte qui est une France assez nouvelle. Mais... donc l'État à charge d'âme, ça l'entraîne à aller sur le secteur économique qui normalement il ne doit pas voir. On rappelle que l'État, normalement c'est l'État gendarme, c'est-à-dire c'est l'ordre, c'est la défense des frontières, mais il ne doit pas aller plus loin. En 1880-90, ce n'est plus le cas, l'État a dépassé... pour pas grand-chose, hein. Je crois que l'État, c'est 5% dans la création de capital, mais malgré tout, c'est pas 0%. Et les libéraux commencent à sentir que cet État est en train de prendre de plus en plus de responsabilités parce qu'il a cette justification d'avoir charge d'âme. Et puis, le protectionnisme ne disparaît jamais. Le mot protectionnisme est un tabou, un gros mot, alors que depuis Colbert en France ou Friedrich List en Allemagne, tous les pays pratiquent le protectionnisme. Les États-Unis financent leur secteur militaro-industriel par la commande publique, leur secteur de la santé par la commande publique. La Chine fixe des restrictions aux importations sur son territoire, mais en revanche, elle favorise la faiblesse de sa monnaie et donc ses exportations. Le Brésil contrôle ses importations, la Russie aussi, l'Inde interdit les jouets chinois, etc., etc., etc. Toujours un plaisir d'entendre Bernard Maris, c'était sur France Inter en 2009. Francis Démier, dans cette étude que vous avez réalisée, La nation frontière du libéralisme, qui nous conduit de la fin du XVIIIe siècle à la Première Guerre mondiale, on trouve tant d'écho au monde contemporain. Ces réflexions, et on l'entend ici avec Bernard Maris, Alain Beltran nous l'a dit aussi, ce sont des réflexions d'aujourd'hui. Ces tiraillements, ces tensions qu'on a évoquées sont toujours là. Oui, je voudrais revenir sur Méline, qui est finalement la personnalité la plus connue quand on pense à la politique des échanges français. Et il y a deux tarifs qui sont importants pour la fin du XVIIIe siècle, c'est celui de 1881, qui finalement est encore un tarif qui oublie l'agriculture. Et il y a le tarif de 1892, qui est le fameux tarif Méline, qui va prendre en charge, en quelque sorte, la crise agricole. Parce que je crois que pour le changement de cap de la fin du 19e et début du 20e siècle, il faut prendre en compte la crise très très profonde de l'agriculture française, qui a fait peur, hein, et qui a fait peur sur le plan économique, parce que c'est un marché, mais aussi sur le plan politique, avec la percée du boulangisme et aussi la poussée du socialisme. Et donc la politique de Méline, son protectionnisme, qui est un protectionnisme nuancé, puisque c'est lui qui met sur pied ce système de double tarif, un tarif protecteur minimum et un tarif négocié qui permet effectivement de ménager des ouvertures, en particulier pour toute une économie qui désormais est exportatrice. Hein, y compris pour les chemins de fer. Bon. Et donc ce double tarif est un tarif intéressant parce qu'il va permettre à la France de ménager un équilibre entre la protection de son marché intérieur et l'extérieur. Ce qui est important aussi, c'est le changement de cap parce que jusque-là, c'était l'industrie qui était protégée. Avec Méline, c'est l'agriculture. On va avoir des taux de protection du blé américain, par exemple, qui vont monter jusqu'à 37% au tournant du siècle. Donc, effectivement, c'est une protection importante. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas sur Méline, c'est que c'est un conservateur social, c'est vrai, mais il a mis sur pied une politique agricole qui est une politique de transformation de l'agriculture. Simplement, il cherche à organiser l'économie. Son modèle, curieusement, c'est l'Allemagne. Et on passe d'un moment où le modèle était anglais à un modèle allemand, les cartels allemands, qui intéressent Méline pour organiser l'économie. Mais avec toujours cette recherche d'équilibre, équilibre trouvé à un moment, oui mais voilà, le contexte change et c'est un nouvel équilibre à trouver. C'est cette longue histoire du libre-échange et du protectionnisme. Merci beaucoup à tous les deux. Francis Démier, je rappelle, hein, La nation frontière du libéralisme, publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup aussi à vous, Alain Beltran. C'était une aventure, cette histoire en isme. Merci, il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. Merci. C'est le pourquoi du comment. Comment les féministes françaises ont-elles convaincu le président Wilson de plaider leur cause? En octobre 1917, quelques mois après l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés, des rumeurs circulèrent selon lesquelles le président Woodrow Wilson se préparait à faire une grande déclaration qui affirmerait le droit de tous les peuples à l'autodétermination. Marguerite de Witt Schlumberger, qui était présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes depuis 1913, représentait la France au sein de l'International Women's Suffrage Alliance. Elle voulut mobiliser cette instance pour inciter Wilson à élargir sa conception de l'autodétermination afin d'y inclure les femmes qui étaient alors privées du droit de vote. Sous l'impulsion de leur présidente, ces militantes féministes rédigèrent un appel des femmes françaises et alliées au président américain. Après avoir souligné que la participation des épouses et des mères au suffrage serait une des meilleures garanties de la paix, elles appelaient explicitement Wilson à tirer les conclusions logiques de ses discours concernant le droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes. Nul ne peut se croire autorisé à parler au nom des peuples tant que les femmes seront exclues de la vie politique des nations. Cette lettre fut envoyée à Woodrow Wilson en décembre 1917. Le 8 janvier 1918, celui-ci prononça son fameux discours en 14 points dans lequel il exposait les principes démocratiques sur lesquels l'Europe devrait se reconstruire après la guerre. Mais la question du droit des femmes ne figurait pas dans ce programme. 6 mois plus tard, le New York Times informa ses lecteurs que le président Wilson avait néanmoins pris en considération la lettre que lui avaient adressée les féministes françaises. « J'ai lu votre message avec le plus grand intérêt », leur répondit-il. Et je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de dire que je conviens sans réserve que la reconstruction démocratique complète et sincère du monde pour lequel nous nous battons ne sera pas réalisée complètement et convenablement tant que les femmes n'auront pas été admises à voter. L'autorité morale du président Wilson ne fut pourtant pas suffisante pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote à la fin de la guerre, puisqu'il fallut attendre le 21 avril 1944 pour que cesse cette discrimination. Néanmoins, Marguerite de Witt Schlumberger et ses compatriotes purent se féliciter d'avoir contribué à l'adoption d'un amendement sur le suffrage des femmes dans la Constitution des États-Unis. En multipliant les interventions auprès du président Wilson afin qu'ils soutiennent leur cause et que leurs droits soient reconnus dans le traité de paix, les féministes françaises jouèrent aussi un rôle clé dans les termes du débat international qui se développa à la fin de la Première Guerre mondiale autour de la question des droits démocratiques des femmes. Grâce à leur mobilisation, elles purent faire entendre la voix des femmes durant la conférence de la paix ouverte à Paris le 10 février 1919 et renforcèrent ainsi leur propre stature au sein des cercles féministes internationaux. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique d'Alia, émission préparée par Anne Toscan-Vides, Jeanne de Le Croix, Jeanne Coper, Raphaël Laloum et Maïwen Gizou. Le cours de l'histoire est à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.